Comment on s'organise sur le marché action pour ces graphiques? Alors, sur le marché action, ce n'est pas coté H24 comparé au Forex ou à la crypto-monnaie, donc il faut prendre que deux unités de temps. C'est en tout cas ce que je préconise et ce qu'on utilise nous avec nos étudiants. Donc, vous faites votre biais sur l'unité de temps longue, donc mensuel, hebdo ou daily par exemple, et après on prend position sur une unité plus courte. Donc, admettons que vous fassiez votre biais en mensuel. Vous allez prendre position en hebdomadaire. Si vous faites votre biais en hebdo, vous allez prendre position en journalier. Et si vous faites votre biais en journalier, vous allez prendre votre position en une heure. Donc ça dépend vraiment de votre horizon de temps. Évidemment, plus on va faire notre biais sur une unité de temps longue, plus vous allez devoir tenir votre trade et être patient. Donc, la colonne pour faire son biais, c'est celle-ci. Biais. Qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est tout simplement définir. Si le marché est haussier, si le marché est neutre, et si le marché est baissier. Une fois qu'on a déterminé notre biais, donc sur ces trois unités de temps, hein, moi j'utilise plus l'hebdo et le daily. C'est ma paire favorite. Voilà, ça dépend de votre personnalité, de vos affinités, mais une fois que vous avez déterminé votre biais, selon des critères, ça peut être assez rapide, une théorie de Dow, une moyenne mobile, peu importe. Ça, c'est votre méthodologie. Une fois que vous avez déterminé votre biais, vous avez déterminé une stratégie. Donc, personnellement, moi, je fais uniquement du suivi de tendance. OK? Pour faire du suivi de tendance, il faut un biais haussier ou un biais baissier. Mais on oublie le biais neutre. Ça ne nous sert à rien. Pour du suivi de tendance, il faut un biais, du coup, plutôt haussier ou plutôt baissier. Moi, personnellement, sur le marché action, je suis tout le temps acheteur. Ça, je vois pas l'intérêt de vendre, même si certains le font. Voilà, chacun sa méthode de trading, pourquoi pas. Mais moi, j'élimine ce biais. Donc, directement, j'ai moins de choix, mais je sais que je fais toujours la même chose. Donc, je recherche un biais haussier. Je vais appliquer du suivi de tendance et je vais prendre position sur le journalier. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, le biais en hebdo et on prend position en journalier. Mais avant ça, donc on définit notre biais sur l'unité de temps longue, on applique une stratégie qui nous convient et si possible avec un avantage statistique, et derrière, on va prendre position. Donc, pour ma part, un biais haussier en hebdomadaire, je vais appliquer une stratégie de suivi de tendance et je vais prendre position en journalier.